Je précise pour tous les ceux qui pourraient éventuellement nous écouter, on joue en V4, même s'il y a quelques petites règles, notamment de combat, que j'applique pas exactement comme dans les règles du bouquin. Et je le précise parce que j'ai déjà eu des trucs comme ça, des parties où j'ai dit que je jouais pas exactement avec les règles, et il y a eu des petits, il y a eu des Caliméros qui se sont plaints. Voilà. Donc, la chose est dite. Bien. Alors, on se trouve sur les terres du clan du crabe. Donc, les terres du clan du crabe, genre, je vous ai mis une carte. Donc, les terres du clan du crabe se situent vraiment au sud, à l'extrême sud de l'Empire, enfin, quasiment l'extrême sud. Ça se trouve coincé entre une petite chaîne de montagnes. Une forêt, la forêt de Shinomen, et sur au nord-est, les terres du clan de la grue. Tout le sud-ouest, enfin tout le non, tout l'est et le sud-est, c'est la mer. Et au sud et le sud-ouest, il y a une immense muraille qui sépare les terres du clan du crabe de ce qu'on appelle l'outre-monde, une terre qui est complètement rongée par la corruption, qui est infestée de créatures, d'oni, donc les démons, de morts-vivants, puisque toute personne qui meurt dans l'outre-monde se relève systématiquement en mort-vivant, et plein d'autres bestioles que le clan du crabe s'est juré de combattre. Et c'est pour ça que le clan du crabe a édifié le mur, la grande muraille. La grande muraille Caillou, du nom de la famille d'architectes qui l'a construite. Et donc le clan du crabe voue sa vie à protéger l'Empire contre l'Outre-Monde. Il forme parmi les meilleurs guerriers les plus solides, même si le clan du lion, qui lui forme aussi de grands militaires, prétend le contraire. N'empêche qu'en première ligne, c'est le clan du crabe qui est là pour lutter contre toutes les créatures. Et vous, vous vous situez donc sur les terres du clan du crabe, si vous voulez plus précisément dans le petit village enfin non, c'est un gros village, celui d'Anamimura, qui est réputé pour posséder une des plus grandes distilleries de saké du clan. Alors, pour préciser sur la carte de tout l'Empire, vous avez la forêt de Shinomen, juste en dessous, au sud de la forêt de Shinomen, il y a une espèce de grand lac. Et il y a, alors je crois que sur le plan, c'est marqué, c'est CB6. CB6, c'est une ville qui s'appelle Maemikake, qui se trouve dans les. En fait, Anamimura se trouve dans les environs, sur le bord du lac, puisqu'il utilise l'eau du lac pour la distillerie de saké. Notre histoire commence au printemps. Voilà, la nature est en train de reprendre vraiment ses droits, voilà, de verdoyer vraiment partout. Il pleut aussi pas mal. Et vous êtes tous à Anamimura pour le. Voilà, bah, vous avez été envoyés par vos clans respectifs. La plupart d'entre vous, c'est pour représenter votre clan à Anamimura. D'habitude, ça se fait dans les grandes villes d'avoir des espèces d'ambassadeurs ou alors des gens qui représentent le clan, même s'ils ne sont pas, n'ont pas le titre d'ambassadeur. Exactement. Mais vous, voilà, vous êtes sur place pour, on va dire, aider les intérêts de vos clans. Alors que ce soit Mirumoto Sayuri, qui est une samouraï ko, donc en fait, quand on met ko à la fin d'un mot, c'est pour signifier que c'est une femme. Donc Mirumoto Sayuri est une bushiko, donc une guerrière du clan du dragon, qui manie l'art qui se bat avec deux sabres. Donc Sayuri, toi tu es à Anamimura pour servir un ambassadeur du clan.
Tu es logé chez lui et tu es là pour et lui rendre service et aussi en cas de besoin, parce que ça se fait pour bien se faire voir auprès du daimyo, du seigneur d'Anamimura, parfois tu peux être amené à travailler pour le seigneur d'Anamimura, qui n'est pas de ton clan. Puisque là, alors vous êtes à la frontière entre les terres du clan du crabe. Anamimura se trouve juste à la limite entre les terres du clan du crabe et les terres du clan du lièvre. Un tout petit clan, un petit clan mineur, qui se situe là. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite bêtise. Anamimura se trouve côté clan du lièvre. Donc vous êtes sur les. Mais bon, c'est voilà, ça, c'est vraiment frontalier. De ton côté, Isawa Akira, toi tu as été tu es aussi sur le Anamimura pour plus ou moins pour les mêmes raisons. Pour représenter ton clan, pour servir éventuellement le daimyo d'Anamimura s'il en éprouve le besoin. Et Utaku Yoko, toi tu es donc une Bushiko, une cavalière du clan de la licorne. Et toi tu es là et pour servir les intérêts de ton clan, mais il y a aussi une autre petite raison qui est juste liée à un futur mariage avec quelqu'un qui habite à Anamimura. On est au petit matin, vous vaquez tous à vos occupations respectives. Vous allez me décrire un peu, vous allez pouvoir décrire un petit peu votre personnage, donner quelques éléments si concernant votre perso si vous le souhaitez, et voilà, me dire un peu ce que vous êtes en train de faire, sachant que voilà, à un moment donné, vous allez avoir ou un domestique ou un messager, non peut-être même plutôt un messager directement, qui va venir interrompre votre activité du matin. On va commencer par pardon. On va commencer par le Mirumoto Sayuri. Et tu vas pouvoir m'expliquer ce que tu es en train de faire, sachant qu'il est à peu près 9h du matin. Pour vous, le caste des samouraïs, donc l'élite de Rokugan, en règle générale, vous avez tendance à vous lever tôt. Souvent, c'est surtout pour les guerriers, c'est vraiment l'entraînement est très important, une certaine routine, voilà. Donc, Sayuri, tu vas pouvoir me dire ce que tu fais au petit matin. Eh bien, Sayuri, elle a passé une mauvaise nuit, empreinte de cauchemars, comme ça lui arrive régulièrement. Donc, elle est un peu maussade de bon matin, mais elle sait faire la part des choses. Et puis, de toute façon, bien son rang exige d'elle une certaine distance, un certain masque. Et puis son statut de Bushiko, eh bien, lui impose une discipline de fer à laquelle elle se soumet. Et donc, bien en début de matinée, elle pratique ses katas, ses entraînements. Après une brève méditation dans laquelle elle puise de quoi commencer avec sérénité, de quoi aussi améliorer sa concentration, ses réflexes. Elle fait le vide avant de pouvoir pratiquer toute une série d'entraînements, d'abord à main nue, puis avec le boken, le sabre de bois, le sabre d'entraînement, et puis enfin avec ses armes, les armes de la famille. Et une fois qu'elle termine, eh bien c'est peut-être le moment où le messager va venir interrompre son entraînement. Très bien. Ah, effectivement, tu vas. Alors que tu viens de finir ton petit entraînement du matin, il y a un domestique qui est venu annoncer que quelqu'un voulait souhaiter te voir.
Et c'est tout simplement un garde donc, qui porte une armure qui est. Il a le katana au côté, puisque c'est un samouraï de basse extraction, mais un samouraï quand même. En armure légère et avec une lance. Et lorsqu'il rentre, il met tout de suite il met un genou à terre. En temps ordinaire, quand tu te présentes auprès de quelqu'un qui a un certain statut, voilà, tu t'inclines vraiment. Tu t'inclines bas. Quand tu es en armure, tu ne peux que mettre un genou à terre et c'est. Voilà, c'est considéré comme suffisamment honorable. Donc il s'incline, il te salue et il te tend des deux mains. Il a posé sa lance au sol, il te tend des deux mains un rouleau de parchemin en te disant Mirumoto Sayuri-sama, une convocation de votre daimyo. Bien, je rengaine les deux katanas, je le salue et je saisis le parchemin que tu t'apprêtes à lire, je suppose. Que je déplie et que je lis. Et on va passer à quelqu'un d'autre, puisque je t'expliquerai exactement ce qu'il y a sur le parchemin après. Entendu. On va passer à Isawa Akira. Ouais. Et toi, que fais-tu donc de bon matin? Bien, après un déjeuner, on va dire très très léger, je suis parti me promener aux alentours. Et après 1 heure, je me suis entraîné à tirer à l'arc, mais uniquement sur pas à la chasse. Je suis en effet quelqu'un qui n'est pas du tout violent, qui aurait beaucoup de mal à tuer quelqu'un. C'est dans mon tempérament. Sinon, je suis né au sein des terres du clan du Phénix, à Okamitsumura. Et comme mes parents, j'ai aussi le don de parler au Kami, ce qui m'a ouvert en fait les portes de l'école de Shuganja lorsqu'à 8 ans, je suis prêt à y entrer. J'ai eu un apprentissage qui m'a posé aucun problème et très vite, je fis preuve d'une grande affinité avec l'eau et je me suis enseigné aussi les rudiments du combat au sabre, voilà, sans que cela me plaise vraiment. Sinon, l'une de mes passions principales est l'art de l'origami, que je pratique très régulièrement, voilà, pour m'aider à réfléchir ou juste pour passer le temps. Et j'ai passé mon Jeng Goku, donc cérémonie de passage à l'âge adulte et au statut de samouraï, il y a quelques années. J'ai 23 ans. Et après une période de service au sein de mon clan, dans des grandes bibliothèques de la famille Izawa, j'ai été envoyé justement eh bien, ici à Hanami Mura, où j'ai le rôle de représentant du clan du Phénix auprès du daimyo Usagi Jinzei. Donc Très là, bien. je viens de terminer de tirer à l'arc. J'étais en train de ranger. Tu Et as fait ça. Alors, Hanamimura, j'ai pas précisé. Hanamimura, en fait, tout autour, il y a donc le lac. Il y a aussi un petit bout de la forêt de Shinomen, un gros gros bois quand même, parce que la forêt de Shinomen est immense. Et il y a un bois beaucoup plus petit, donc qui jouxte le fameux lac. Et sinon, tout autour, c'est beaucoup de champs. Voilà, c'est une région très très agricole. Maintenant, savoir c'est est-ce que tu as été t'entraîner à l'extérieur d'Hanamimura ou est-ce que tu penses que au sein de ton d'Hanamimura, dans la villa que tu occupes, est-ce que tu penses que tu as assez de place pour avoir, t'as peut-être une cour suffisamment grande pour y avoir installé une cible sur laquelle tu t'entraînes régulièrement? Je ne sais pas, c'est toi Je me suis qui entraîné me. en fait vraiment au sein du village. Je me suis entraîné vraiment aux abords du village, mais contre un arbre, directement. D'accord. Ma cible contre un arbre pour éviter de blesser quelqu'un. D'accord. Écoute, tu viens de décocher Mais une. voilà, je suis aux abords du village. Vraiment, je suis dans le village, mais voilà, je suis à on va dire, à la périphérie.
D'accord. Oui, un endroit où il y a peut-être une espèce de terrain d'entraînement justement pour les gardes, pour quelques. Oui, disons, je suis pas dans les bois. Je suis pas dans la forêt. D'accord. Et tu viens de tirer ta une dernière flèche. Enfin, en tout cas, tu viens de tirer une flèche quand on débruite pas, on résonnait derrière toi. Et tu as pu voir en fait un garde qui s'est présenté, qui est venu à côté de toi, qui a mis un genou au sol. Isawa Akira-sama, un message pour vous de la part du daimyo. Et il te tend des deux mains un rouleau de parchemin qui est scellé avec le mon. Donc le mon, c'est l'emblème, le mon du clan du lièvre. Et il te remet ça assez solennellement. Très bien, je prends ce parchemin avec respect et je le parcours. Très bien. Et on va passer au dernier membre de notre petit groupe, à Utaku Yoko. Et bah, écoute, à toi de me dire, Utaku Yoko, ce que tu fais de bon matin. À quoi tu t'occupes? Eh bien, moi je me suis levée très tôt et je mange pas le matin, je prends juste une petite boisson à peine fumée. Et je suis allée voir Gosto, mon cheval, que je suis allée préparer pour travailler avec lui parce que personne d'autre ne peut l'approcher, le toucher, ni même le brosser. C'est moi qui m'occupe donc de son pansage et de le sceller pour pouvoir travailler avec lui. Et je suis un peu contrariée pour est-ce que je veux travailler. J'aimerais bien trouver un terrain assez plat, mais dans cette région, c'est un petit peu compliqué. Et quand j'ai enfin trouvé, je me mets à travailler les changements de pied au galop pour pouvoir éviter plonger sur la gauche ou sur la droite pour pouvoir éviter des mauvais coups. Et pareil, des demi-tours sur les hanches, toujours dans le même objectif d'éviter des mauvais coups à mon cheval et aussi à moi. Et tout ça avec armure, mes armes pour qui est le poids habituel sur ma monture. C'est vraiment c'est un cheval d'expérience maintenant, donc c'est rare que je monte en tenue légère. En général, j'ai toujours les armes lourdes pour qu'il garde sa musculature aussi. D'accord, bah écoute, oui, t'as trouvé. Alors, depuis le temps que tu es à Namimura, tu as pu repérer un endroit suffisamment dégagé pour pouvoir faire tes exercices avec ton cheval, parce qu'effectivement, personne d'autre que toi ne peut approcher ton cheval, puisque c'est pas juste un cheval Rokugani, c'est un cheval qui vient de l'étranger. Un destrier qui est beaucoup plus imposant que les chevaux de Rokugan. Donc tu connaissais parfaitement un endroit tranquille pour aller justement t'entraîner. Et alors que tu es en train de tourner, de faire tes exercices avec ton cheval, tu aperçois un garde qui est vraiment juste au bord du terrain d'entraînement et Oh, qui. alors quand je Ouais. l'aperçois avant qu'il ait eu le temps de réagir, je suis un peu en mode combat là dans mon cerveau, vu que j'ai vraiment travaillé dans cette optique-là. Et ben je galope vers lui et je plante ma grosse lance genre entre ses pieds quoi, et en l'enfonçant bien en terre pour ponctuer comme une apothéose de mon entraînement avant de m'arrêter et de le regarder pour voir ce qu'il veut. Très bien, bah écoute, déjà il est en train de regarder, de te regarder sur ta monture, parce que un cheval aussi imposant et entraîné comme ça, il n'en voit pas tous les jours. Et lorsque tu commences à foncer dans sa direction,
il a un mouvement de recul, hein. Faut pas se cacher, se cacher. Il a un mouvement de recul et tu vois clairement sur son visage que il est partagé entre se pousser de la trajectoire parce qu'il sait pas ce que tu vas faire et le fait de rester digne devant face à toi. Et lorsque tu plantes ta lance, que tu t'arrêtes devant lui en plantant ta lance juste à ses pieds, il se met tout de suite, il recule, hein, il fait un pas quand même en arrière, et il recule et il sort de sa sacoche un rouleau de parchemin, genou à terre, et il te tend le parchemin en te disant Utakuyoko-sama, j'ai un message de la part du daimyo. Et tu vois qu'il te tend ça avec les mains tremblotantes. Apparemment, tu lui as fait peur. Donc il te tend ça. Oui, si l'usage l'impose, je le remercie, sinon je lui dis pas un mot. Oh, c'est le ça peut vu que lui c'est quand même alors les gardes sont ce qu'on appelle des ji samouraïs. Les ji samouraïs, ce sont des samouraïs de basse extraction. Souvent c'est ça peut être aussi le deuxième ou troisième, quatrième fils d'une famille pour qui la famille ne peut pas subvenir à tous ses besoins. Du coup, ça devient des ji samouraïs, on va dire des samouraïs pauvres. En règle générale, ça reste quand même un samouraï. Donc, la coutume veut Je le remercie. qu'on le remercie. Après, vu que c'est un J-samouraï, t'es pas obligé non plus en plus, c'est juste un garde. Ça peut se limiter vraiment au strict minimum. T'as même pas à le saluer ou quoi que ce soit, mais voilà, juste Je un fais un simple petit merci. Hein. signe de tête pour le remercier alors. D'accord, très Un bien. signe de tête approbateur parce que il est quand même resté à peu près en ça. D'ailleurs, je regarde son visage pour me souvenir de lui, que je le classe quand même inconsciemment, enfin pas inconsciemment, mais complètement, je le classe dans les gens qui peut-être peuvent être fiables, puisqu'il est resté assez d'aplomb, même s'il tremble. D'accord, très bien. Donc il t'a remis le. Alors, tu ne peux pas ne pas te rendre compte du regard enfin de son regard qui est rivé sur la lance qui t'a planté juste à ses pieds. Hein. Et il n'a pas l'air d'emmener large à côté de ton destrier. Mais en tout cas, voilà. Il Du t'a. coup, Ouais, ouais, je lui vas-y. fais un petit signe de tête quand même. Qui pour Yoko signifie que ça va, il s'est pas trop mal débrouillé. C'est bon, il a plus besoin de trembler, mais par contre, tout ça, je le garde nu dans un petit signe de tête un peu sec. D'accord, très bien. Donc il te remet le parchemin et en fait alors et c'est ce qui se passe pour chacun d'entre vous, c'est que il reste pour chacun de vous le garde reste planté devant vous à attendre que vous lisiez le parchemin. Et qu'y a-t-il sur ce parchemin? Tout simplement une convocation du daimyo d'Anamimura, donc un homme d'une presque de 45 ans que vous avez déjà croisé, que vous avez déjà vu, qui s'appelle Usagi Ginsei, qui est donc Usagi, c'est le nom de famille du clan du Lièvre, qui. Pour l'anecdote, veut dire lapin ou lièvre en japonais. Je sais plus lequel des deux, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Le message vous dit est assez succinct et vous demande de vous rendre en début d'après-midi à la demeure du daimyo. Il n'y a pas plus d'explications. On vous dit pas pourquoi. C'est voilà. De toute façon, ça c'est du grand classique. C'est quand le daimyo demande quelque chose, il ne souvent quand, surtout par courrier comme ça, il ne s'étale pas sur le pourquoi du comment. C'est vous êtes des samouraïs, vous êtes de la classe donc des samouraïs qui êtes là pour servir le daimyo, servir l'empire. On vous convoque pour vous demander quelque chose.
ça se passe d'explications, ça se passe de renseignements supplémentaires. Voilà. Et le et une fois que chacun d'entre vous a fini de lire son message, le garde qui était présent vous tend la main et vous dit à chacun d'entre vous le puis-je récupérer le parchemin et donner votre et assurer le daimyo de votre présence tout à l'heure. Parce que ça aussi, ça se fait, c'est voilà, vous avez lu le truc maintenant. Même si vous vous doutez que ce genre de convocation, en règle générale, on dit pas oh bah non, j'ai pas envie d'y aller. C'est mais par politesse, le garde vous demande quand même si vous allez vous serez présent tout à l'heure pour afin qu'il puisse donner la réponse au daimyo. Pour ma part, Sayuri le salue, lui rend le parchemin et lui dit certainement. Je serai présente cet après-midi. Alors, sur le message, c'est juste après le repas du midi, donc c'est faut comprendre à peu près 13-14 heures, quoi. Akira et Yoko, vous confirmez aussi votre présence, je suppose ? Moi, je fais un geste positif. Bien. Bon, je profite pour m'imposer encore, c'est-à-dire je tourne autour de lui avec mon cheval, d'une seule main, de la main qui tient pas le parchemin, je sors ma lance de terre, mm-hmm. peut être pour montrer ma force. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, je lui rends le parchemin et simplement je lui dis je viendrai. Très bien, le garde reprend le parchemin, et c'est ce que chacun des gardes fait, ils prennent le parchemin, ils le rangent à leur ceinture, et ils font un pas ou deux en arrière en s'inclinant respectueusement face à vous, avant de faire volte-face et de repartir vers l'intérieur d'Anamimura. Une fois que le garde est reparti, Sayuri, elle va s'adresser à l'ambassadeur chez qui elle réside, juste pour s'entretenir avec lui et lui demander s'il y a des choses particulières en ce moment à savoir ou avec le voilà. Soit sur le village, soit sur le daimyo. Non, le samouraï chez qui tu es logé, il a régulièrement des contacts avec le daimyo. Il te dit que non, point. La saison est relativement calme. Il n'y a rien de particulier et que. Voilà, il n'y a rien de particulier à savoir concernant le daimyo, si ce n'est que c'est quelqu'un qui peut être sympathique, mais par contre, avec quelqu'un avec qui il vaut mieux être franc. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop quand on essaye de noyer le poisson. Voilà, il aime bien quand c'est franc, ça va droit au but. Voilà. D'accord, très bien. Donc je l'informe que j'ai été convoquée par le daimyo en début d'après-midi et voilà, de ce fait je lui dis que voilà que je me rendrai au château. Alors il demeure où lui le daimyo? Alors le daimyo, alors il a une immense villa avec un immense jardin. Il n'a pas de château à proprement parler parce que le village n'est pas suffisamment grand, mais il a quand même une immense villa qui est un petit peu fortifiée quand même, et avec quelques gardes qui font des rondes. D'accord, très bien. Dans ce cas, je
une fois que cet entretien est terminé, je termine mon entraînement, puis je déjeune et ensuite eh bien je revais une tenue la plus propre, la plus adéquate possible. Voilà, je sais qu'un daimyo, c'est je sais pas si je l'ai déjà rencontré. Tu l'as croisé peut-être une fois ou deux, c'est tout. Mais je n'ai pas été convoqué personnellement. Donc essaye d'être la plus présentable, la plus soignée possible. Ah oui, parce que ça c'est un petit détail que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que vous avez déjà rendu service au daimyo, mais en règle générale, c'est uniquement quand ça a été fait par l'intermédiaire de voilà, c'est passé par quelqu'un de sa maisonnée, ce genre de truc. Ça n'a jamais été le daimyo en direct qui vous a demandé quelque chose. Très bien. Ok. Akira, tu fais quelque chose de particulier, toi, une fois que tu as ton message ? Déjà, moi, je vais aller me changer de kimono, étant donné que je vais sortir un kimono plus officiel, quoi, plutôt qu'un kimono, où j'étais plus à l'aise pour faire mes exercices. Et sinon je vais me préparer, je vais déjeuner et ensuite je vais me rendre directement chez la personne pour qui je suis à son service. Je pars côté du daimyo. D'accord. Très bien, très bien. Il nous reste plus que Yoko. Une fois que le messager est parti, d'ici le rendez-vous avec le daimyo, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ? Je finis l'entraînement avec Gusto et je m'occupe de lui après. Et ensuite, je me contente d'un simple bol de riz avant d'aller. Si j'ai encore le temps, hein, puisque je suis sûre. Mais si j'ai le temps, je prends un simple bol de riz et... D'accord, très bien. Alors, les rues d'Anamimura sont relativement animées. Entre tous les artisans, les paysans qui vont et viennent à l'extérieur d'Anamimura, qui vivent aussi dans le village, hein. Vous avez largement l'occasion de... Il y a quelques vendeurs de rue qui vendent des espèces de beignets, de trucs comme ça. Donc, il y a aussi moyen de se restaurer en route. Et vous trois, vous allez traverser Anamimura. Donc au milieu de cette effervescence, comme je disais, on est au printemps, donc l'activité dans les champs bat son plein. Il y a énormément d'activités. Vous voyez beaucoup d'artisans qui ont un peu ouvert leur boutique, qui travaillent plus ou moins à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Vous passez à un moment donné un grand pont qui enjambe la rivière qui se jette dans le lac. Donc vous croisez quelques personnes, il y a quelques samouraïs, donc principalement du clan du lièvre, mais aussi beaucoup du clan du crabe qui sont là, que vous croisez. En règle générale, quand vous croisez un samouraï, parfois certains vous saluent d'un signe de tête, d'autres vous ignorent copieusement. Voilà, c'est... Je précise que vous ne croisez aucune geisha, puisque à Rokugan, les geishas sont la plupart du temps cantonnées à un quartier qu'on appelle le quartier des plaisirs. Chaque gros village ou grande ville, enfin ou ville, possède son quartier des plaisirs, et souvent les geishas n'en sortent pas. C'est tout ce qui se passe dans le quartier des plaisirs reste dans le quartier des plaisirs, les geishas y restent. C'est aussi ces quartiers-là où il peut y avoir du jeu, de la prostitution, puisque les geishas ne sont pas des prostituées, ce sont juste des femmes qui s'entraînent et qui vouent leur vie à distraire les samouraïs de leurs obligations. Et quand je dis distraire, ça peut être par la musique, la poésie, la danse, le chant, mais ça ne va jamais jusqu'à des rapports intimes.
Pour ça, il y a des prostituées et tout bon samouraï ne se rabaisserait pas à aller voir des prostituées naturellement. Bon, on s'entend qu'il y en a qui le font, mais tant que personne ne... S'ils sont pas pris, enfin pas vus, pas pris, voilà. Voilà. En tout cas, vous avez traversé Anamimura et vous atteignez la fameuse demeure du Daimyo. Il y a un garde qui vous reçoit juste à l'entrée, qui chacun d'entre vous demande un peu ce qui vous amène ici. Et bon, en lui disant que vous êtes convoqué et en donnant vos noms, on vous laisse un accès, on vous laisse rentrer, vous êtes attendu. Et chacun d'entre vous, un garde va vous conduire dans une salle, une pièce, une espèce de salle d'attente. Petit détail, quand vous entrez là, on vous indique un placard, une espèce de placard, on ouvre les portes, avec un râtelier, un immense râtelier, et la coutume veut que vous y déposiez vos katanas et wakizashi. Le fait de les garder sur vous, ça, c'est un manque de respect envers la personne que vous venez voir, parce que si vous gardez votre arme sur vous, ça peut être interprété comme vous ne vous sentez pas en sécurité dans la demeure du daimyo. Et ça, c'est insultant pour eux. Donc, le garde vous fait signe, vous indique de déposer vos armes sur leur atelier. Ouais, moi, je dépose mon Dachi. Ouais. Voilà, mais ça ne pose aucun problème, hein, tandis que je m'enterre très rarement. D'accord. Sayuri, tu déposes. Je sors mes deux katanas de la ceinture et je les pose avec grand respect sur le râtelier. D'accord. Et Yoko, de même. D'accord, très bien. Yoko, toi, t'es toujours en armure, c'est ça? Non, je l'ai retiré en même temps que j'ai décelé mon cheval, sauf si ça fait partie de ma tenue d'apparat pour aller voir non. Le Daimyo, mais je pense pas. Non, c'est pas... Non, effectivement, c'était justifié le fait que tu gardes ton armure pour aller entraîner ton cheval, comme tu nous l'as dit, mais là, pour aller voir le Daimyo, c'est... En fait, souvent, c'est les guerriers du clan du crabe, eux... Et souvent, ils restent quasiment tout le temps en armure, sauf pour dormir et voilà. Mais ils passent beaucoup de temps en armure. Et bon, personne ne leur dit rien parce que c'est le clan du crabe. Voilà, c'est vaut mieux pas leur faire la réflexion. Le clan du crabe est quand même réputé pour abriter des guerriers bourrus, un peu rustres. Donc bon, en général, on leur fait pas remarquer que venir en armure à une réception, ça se fait pas trop. On les laisse faire, on dit rien. En tout cas, vous vous retrouvez tous les trois dans une espèce de salle d'attente où voilà, on vous dit que le daimyo va bientôt vous recevoir. Et donc, vous êtes là, tous les trois. Alors, il n'y a personne d'autre dans la pièce, personne d'autre que vous, même si vous le savez très bien. Les panneaux là qu'il y a dans le fond de la pièce, des panneaux coulissants, vous savez très bien que derrière il doit probablement y avoir au moins deux ou trois gardes armés qui attendent derrière le panneau. Ça c'est pareil, c'est une tradition. Même si vous ne les voyez pas, souvent il y a des gardes armés qui restent dans les environs du daimyo au cas où il y aurait un problème. Donc vous savez pertinemment qu'il doit y avoir ces guerriers-là dans cette pièce, mais cachés à votre vue par des panneaux coulissants. En tout cas, voilà, vous êtes tous les trois. Alors, je sais pas, est-ce que, à la limite, si vous peut-être vous décrire rapidement en quelques phrases, à quoi vous ressemblez. Donc, on va commencer par Sayuri, vas-y. À quoi tu ressembles? Sayuri, elle n'a rien d'exceptionnel. Hein. C'est une femme de taille moyenne, assez fine, devine des muscles assez fins aussi.
avec des cheveux longs relevés en chignon, des cheveux foncés et des yeux foncés également. Voilà, elle est très très calme, elle se tient très droite et puis elle va profiter de ce petit instant pour juste écouter la respiration des deux autres personnes qui sont entrées et jeter des très très fugaces regards pour savoir un petit peu jauger à qui elle a affaire, à sa droite et à sa gauche. Alors justement, je l'avais précisé l'autre jour, j'avais dit vous vous connaissez de vue. Vous connaissez de nom. Bon, surtout, il y a deux personnages qui se connaissent déjà nettement plus. Mais en tout cas, toi, tu les connais de vue. Tu sais qui c'est. T'as probablement déjà vu Akira en train de tirer à l'arc sur le terrain d'entraînement. Tu sais que Yoko, possède une magnifique monture d'un blanc éclatant. Voilà. Tout ça, tu le sais. Tu sais que c'est des samouraïs qui sont comme toi, Anamimura, pour représenter, servir leur clan. Peut-être que tu as déjà échangé aussi quelques mots avec eux, ou simplement quelques amabilités un jour où tu les as croisés lors d'une réception, un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas des intimes, mais tu les as déjà vus. Très bien. Justement, Yoko, toi, tu es. Vas-y, si tu peux nous dire à quoi tu ressembles et voilà, comment t'es oui. vêtue, tout ça. Alors, moi, je suis vêtue d'une tenue plutôt simple, hein, parce que les ornements et tout ça, c'est pour moi. J'ai les cheveux lâchés simplement parce que je les attache que quand je me prévois d'aller sur un champ de bataille par exemple. Et j'ai un visage très volontaire. On voit que je suis quelqu'un de volontaire, d'autoritaire aussi. Ça transpire de ma personne. Hein. Et quand je vois ces deux personnes, je les salue. Je salue la femme aussi poliment. Je saluerai n'importe quel samouraï de rang équivalent au mien. Et je salue Akira comme il se doit, c'est-à-dire comme une jeune femme se doit de saluer son promis. D'accord. Alors, je précise, il y a pas forcément de protocole particulier pour que tu t'adresses à ton futur époux et vice-versa. Normalement, techniquement, tu te retrouves dans la même pièce que ton promis et tu devrais être avec un chaperon. Sauf que ça, c'est plutôt quand il y a eu des. Vous avez eu des entrevues dans un cercle privé. Là, vous êtes ici sur demande du daimyo, probablement qu'il va vous demander quelque chose de particulier. Donc, et tu ne savais pas en plus qu'il allait être là. Donc voilà, t'as pas de chaperon, mais. Voilà, c'est juste, je précise juste, d'habitude, tu es obligé d'avoir un chaperon avec toi pour s'assurer que les rencontres avec Isawa Akira, ton futur époux, se passe tout à fait de manière correcte. Toi, Isawa Akira, tu peux te décrire et nous dire un petit peu... Déjà, de tempérament, je suis quelqu'un de très calme. Et donc là, je suis habillé en tout cas de samouraï très traditionnel. Et puis sinon, physiquement, je suis quelqu'un de mince. Je suis quelqu'un qui reste assez calme, sage, mais souvent très concentré.
là, je suis assez surpris de retrouver Taku. Et je lui fais un geste, en tout cas amical, sachant qu'elle sera évidemment tout en voilà, tout en étant très protocolaire et ne prioriser non plus l'expression de mon visage avec un grand, on va dire un grand sourire, mais plutôt un signe amical, tout simplement. D'accord. Alors, pour vous, hein, Utaku Yoko et Isawa Kira, le mariage est prévu, votre mariage est prévu seulement cet hiver, puisque la tradition veut que l'hiver ce soit un peu le... Alors, c'est le moment où on conclut des mariages et le moment où on fait les cérémonies aussi. Même si ça peut être aussi à n'importe quel moment de l'année. Même si, Utaku, toi, Yoko, toi, dans ton clan, dans le clan de la licorne, bon, ce genre de tradition, on ne respecte pas forcément. C'est beaucoup plus, on va dire que c'est beaucoup plus libre. En tout cas, vu que le clan de la licorne essaye de bien passer auprès des autres clans, qui considèrent quand même le clan de la licorne comme un clan un peu barbare, voilà, donc ta famille a décidé de se conformer à la tradition, donc votre mariage n'est pas prévu avant plusieurs mois. Vous vous êtes déjà vu à de nombreuses reprises, hein, avec Chaperon. Maintenant, là c'est un truc que je précise pour tout le monde, vu qu'un samouraï de rang équivalent, c'est le cas entre vous tous, vous pouvez choisir, je dis surtout ça entre Yoko et Akira, vous pouvez choisir de vous appeler par votre prénom avec, San à la fin. Donc Yoko-san ou Akira-san. C'est une marque de respect, mais le fait d'utiliser le prénom, c'est que il y a un certain degré d'intimité entre vous, ou un certain degré de lien. Souvent, c'est des amis, de futurs époux qui s'appellent comme ça. Après, par contre, quand quelqu'un que vous connaissez pas, ou que vous connaissez mais qui n'est pas votre ami, qui n'est pas dans vos cercles de relations, c'est bien vu de dire son nom de famille, son prénom, et de dire San si il est équivalent à vous, ou Sama si c'est quelqu'un de plus important. Mais bon, ça, je vous le redirai par la suite. En tout cas, voilà, je pense que Yoko et Akira, peut-être qu'entre vous, vous utilisez vos prénoms et Yoko-san et Akira-san. Voilà, c'était juste pour la petite précision. En tout cas, vous êtes là, chez le daimyo. Vous attendez, en fait, ça fait peut-être un quart d'heure que vous êtes arrivé. Vous avez cette Mirumoto Sayuri qui vous jette quelques regards de temps en temps. Alors, peut-être qu'elle a vu, elle a remarqué le signe de le salut un peu moins protocolaire entre vous deux. Peut-être pas, je sais pas. En tout cas, au bout d'un petit quart d'heure, quelqu'un vient vous chercher. Il se présente comme étant le conseiller du daimyo, donc ce qu'on appelle le carreau. Et il vous demande de le suivre dans le bureau du daimyo. Vous allez être reçu dans une pièce qui est assez richement décorée, même si c'est pas non plus... c'est pas plein de dorures. C'est juste qu'il y a pas mal de tableaux, de quelques statues, des trucs comme ça, qui sont de... Voilà. Ça reste de bon goût, c'est pas même si on voit tout de suite que c'est voilà cette qualité, c'est des matériaux ou des peintures qui proviennent d'artistes. Et derrière un petit pupitre se trouve donc le Usagi Ginsei qui porte un hakama, donc le pantalon large, qui porte un kimono, qui porte la veste par-dessus avec l'emblème du clan du lièvre. Et il vous fait juste signe, sans vous dire un mot, il vous fait signe de vous asseoir devant son bureau. Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous embêter avec le côté étiquette à outrance, hein, vous n'allez pas me décrire en détail, je fais ci, je fais ça, voilà.
Voilà, quand c'est ça, vous dites le je fais ça, je le salue avec respect, et on saura tous ce que. Voilà, vous êtes incliné plus bas que lui, vous avez attendu qu'il vous dise de vous relever, et vous êtes assis en tailleur, le dos droit, les mains sur les genoux, en attendant que le daimyo s'adresse à vous. Parce que sinon, si on commence à détailler toutes les règles d'étiquette, on va passer notre temps principalement à ça. Après, sauf si quelqu'un me dit explicitement je le respecte pas, là, il y aura quelque chose. Mais on va partir du principe que si vous ne me dites pas le contraire, vous agissez avec respect et honneur. Enfin, en tout cas, avec respect. Vous êtes tous les trois à genoux face au daimyo. Il y a quelqu'un, un domestique, qui est venu apporter une théière et quelques tasses. Il est en train de vous servir du thé. On vous a pas demandé si vous en vouliez. On vous en sert, point barre. Et après quelques instants, vous avez chacun une tasse fumante devant vous. Le carreau, donc l'assistant du daimyo, s'est assis à ses côtés, mais un peu en retrait. Et le daimyo finit par s'adresser à vous. Bien. Cher samouraï, je vous ai fait venir ici parce que vous êtes à Nemimura pour servir votre clan, mais aussi pour me servir, comme ce qu'il a été convenu avec vos clans respectifs. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Je souhaiterais que vous rejoigniez un château qui appartient à mon domaine, qui se situe sur les terres du clan du Lièvre, de l'autre côté du bosquet. Enfin, du bois de Shinomen, que vous rendiez au Shiro Aoi Shoku. Alors, Shiro, c'est un château, et Aoi Shoku, c'est le nom du château. Alors, Aoi Shoku, ça s'écrit A-O-I, comme ça se prononce, S-H-O-K-U, Aoi Shoku. Ce Shiro est le domaine du daimyo Usagi Doro. Je souhaiterais que vous alliez là-bas pour, en tant que mes émissaires. Je vous confierai une lettre qui l'attestera. J'aimerais que vous alliez enquêter pour moi. Il est venu à mes oreilles certaines rumeurs selon lesquelles les terres entourant Shiro Aoi Shoku ne sont plus très sûrs depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Depuis quelques mois. Mais ça s'est accentué depuis que le temps a commencé à se radoucir. Les rumeurs parlent de un manque de sécurité sur les terres de Shiro Aoi Shoku. Et je ne doute pas que le Usagi Doro Sama, enfin San, fasse ce qu'il faut sur ces terres. Mais j'ai aussi, et ça ce ne sont pas des rumeurs puisqu'il s'avère que c'est vrai, il y a plusieurs familles de paysans qui ont décidé de quitter ces terres pour se réfugier à Nemimura. Et le problème qui se pose, c'est que une terre dont les paysans désertent, c'est une terre qui produira moins. Qui donc produira moins de cocos et qui approvisionnera donc moins les impôts dus à l'empereur. Je souhaiterais donc que vous vous rendiez tous les trois là-bas et que vous alliez enquêter. Que vous alliez voir un peu ce qui s'y passe, avoir une explication. Je ne remets pas en doute Usagi Doro-san. Je lui ai fait parvenir un courrier, je lui ai demandé une explication.
Il m'assurait qu'il n'y avait rien de grave. Loin de moi l'idée de remettre en doute sa parole, mais toujours est-il que, comme je vous ai dit, pas moins de 6 familles de paysans, ce qui représente pas loin de 50 personnes tout de même, ont quitté ces terres et se sont réfugiés à Namimura. Nous l'avons su car ils se sont présentés lorsqu'ils sont arrivés à Namimura. Toute personne qui rentre en ville inscrit son nom et la raison de sa présence sur nos registres. Voilà, ces paysans ne se sont pas cachés du fait qu'ils avaient quitté le château. Et voilà. Ça pourrait porter préjudice et à Usagi de Rosan et aussi aux impôts que son domaine doit payer à l'empereur. Je souhaiterais donc que vous partiez le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, naturellement, si vous pouvez partir dans la journée ou alors au plus tard demain matin, savoir que vous devriez en avoir pour à peu près. Il se tourne vers son carreau qui dit la plupart du temps, il faut à peu près 2 jours pour rejoindre Shiro Aoishoku. Et le daimyo se retourne vers vous 2 jours. Voilà. Je vais vous remettre un document qui attestera que vous êtes envoyé à ma demande. Si vous avez d'autres questions, mon carreau se chargera de vous répondre. Je m'incline. Mmh. Ouais, tu voulais lui demander un truc ? Usagi Jinsei-sama, nous autorisez-vous, avant de partir, à interroger brièvement quelques-unes de ces familles pour connaître peut-être les raisons plus précises de leur départ ? Mais écoutez, ça vous le ferez quand vous serez à Shiro Aoishoku. Puisque, étant le daimyo de ces terres et Usagi de Rosan étant à mon service, j'ai renvoyé ces familles là-bas. Très bien. Je ne doute pas que vous saurez trouver, identifier ces familles pour poser vos questions une fois sur place. Je ne souffre pas qu'ils abandonnent les récoltes et les semailles au début du printemps, donc je les ai tous fait renvoyer là-bas. Je m'incline. Bien. Et il désigne le carreau et il lui fait un signe de tête et dit occupez-vous de répondre à quelques questions s'ils en ont. J'attends un rapport détaillé d'ici une semaine, que ce soit de vive voix si vous avez identifié le problème, ou alors vous ferez envoyer un message. Et sur ce, en fait, il ramasse un rouleau de parchemin sur son bureau et il commence à écrire quelque chose dessus. Ne s'occupons plus du tout de vous, ce qui en règle générale veut dire que l'entrevue est terminée, mais voilà, le carreau se lève et il vous fait signe, il vous désigne la sortie pour vous indiquer que on s'en va. Bien, on le suit, hein. Une fois que vous êtes à l'extérieur, en fait, le carreau vous emmène dans son propre bureau qui est beaucoup, beaucoup plus petit que celui du daimyo, naturellement. Bien. Écoutez, si vous avez la moindre question à me poser, allez-y, n'hésitez pas. J'ai pu discuter avec quelques-uns de ces paysans. Ils n'ont pas donné beaucoup plus d'informations, mais voilà. Et ils vous ont pas dit pourquoi ils ont fui justement leur
Le domaine. Où est-ce qu'ils ont fui leur terre? Est-ce qu'il y a eu des morts parmi les leurs? Alors, des morts, il semblerait qu'il y en ait eu quelques-uns. Il semblerait aussi qu'il y ait que les rumeurs concernant un manque de sécurité sur ces terres ne soient pas que des rumeurs, malheureusement. Il aurait été vu quelques personnes. Alors, est-ce que c'était des brigands? Est-ce que c'était des Ronin qui vivent dans les environs du château? Savoir que le château est des Ronin, oui. Savoir que des châteaux, le château se trouve vraiment en bordure de la forêt. Et que, voilà, il n'est pas surprenant que ce soit des Ronin ou des... Les Ronin, il faut peut-être préciser. Des Ronin, oui, des samouraïs qui n'ont plus, qui des samouraïs sans maître, ou voire pire, des paysans qui ont décidé de devenir Ronin. Et de porter les armes. Et de porter les armes, ce qui est, enfin, de récupérer un katana. Souvent, ils le récupèrent sur un cadavre ou sur un champ de bataille, ce qui est totalement interdit. Et donc voilà, ça peut arriver que des Ronin ou même des brigands en fait se réfugient en forêt et s'installent dans des camps. Donc voilà, il semblerait que ces rumeurs ne soient probablement fondées. Et est-ce que votre domaine, enfin le domaine pour lequel vous servez, est en conflit avec un autre clan? Non, c'est le clan du lièvre et le domaine de d'Uzagi Ginsei-sama est totalement paisible. Nous vivons en harmonie avec le clan du renard qui se trouve le clan du renard et le clan du moineau, et nous n'avons que des relations cordiales avec le clan du crabe. Donc non, les clans limitrophes, nous n'avons aucun souci avec eux. Je vais vous demander à tous un petit jet de dés. Ce sera le premier du scénario. Vous allez tous me faire un test d'intelligence pure, rien de plus, intelligence. Donc sur votre feuille de perso, c'est là où il y a les éléments. Vous avez justement intelligence, c'est dans l'élément du feu. Donc vous cliquez sur le petit symbole, le petit dé. Hop. Alors, on a un 17. Oula, 20, 19, 17, pas mal. Certainement parce que vous êtes dans les sur les terres du clan du lièvre déjà depuis quelques temps, vous en avez peut-être entendu parler. Vous avez aussi vous avez quand même étudié aussi l'histoire de Rokugan. Donc vous savez Sayuri et Yoko. Vous savez que le clan du lièvre n'a pas toujours eu une vie paisible. Vous savez que quelques décennies, enfin une décennie, il a été purement et simplement déclaré hors la loi par l'empereur lui-même et totalement rasé par le clan du scorpion. Des accusations d'avoir de pratiques de magie du sang, ce genre de choses. Même si, dans les années qui ont suivi, un des rares survivants du clan du lièvre, a réussi à laver son honneur et à laver l'honneur de son clan. Le clan a été réhabilité, et de nombreux membres du clan du lièvre sont sortis de l'anonymat, et ont repris leur place au sein du clan, pour refonder le clan du lièvre. Vous savez aussi que de nombreuses personnes, de nombreux J-samouraïs ont été adoptés par le clan du lièvre pour un peu booster, gonfler les effectifs du clan.
En tout cas, voilà, il y a eu une histoire un peu particulière. Et Akira, toi, tu sais, puisque vu que tu as passé du temps dans les bibliothèques, tu as peut-être lu un peu plus d'informations là-dessus, tu sais que il y a le clan du lièvre, voilà, il ne pourrait pas faire face refaire face comme à l'assaut d'un clan majeur, mais tu sais qu'ils ont énormément de méfiance et qu'ils n'aiment pas vraiment le clan du n'aiment pas le clan du scorpion. C'est voilà, il y a une espèce de rancœur qui est restée au sein du clan du lièvre contre le clan du scorpion qui les a quasiment exterminés. Et là, quand le carreau te dit que non, non, il n'y a aucun problème avec les clans frontaliers, il a bien précisé, il a bien parlé du clan du renard, du moineau et du crabe. Il ne vous a pas parlé du clan du scorpion, qui se trouve pourtant au nord du clan du lièvre. Au niveau... je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que je peux faire un test de sensations, est-ce que ça mérite, je sais pas, est-ce que ça peut être fait discrètement, déceler éventuellement, je sais pas, des éléments qui pourraient éventuellement nous cacher. Alors ça c'est, alors c'est pas de la, c'est pas un sort, ça ce serait plus avec la compétence sincérité. Ok. C'est c'est sincérité ou courtisan ou même la compétence enquête. Tu choisis celle que tu veux, ça va déterminer l'approche. En gros, avec l'enquête, tu vas surtout observer un peu ses réactions. Est-ce que il a un tic nerveux parce qu'il est en train de raconter un bobard? Courtisan, ça va être la façon dont tu lui poses la question, tu vas l'amener à te donner une information. Et sincérité, par contre, c'est un peu plus insidieux comme façon de faire. Il faut que j'aille où sur la fiche? Alors, sur la fiche, en fait, tu as un onglet avec les skills. Ok. Et ça va être... Ok, donc là j'y suis, c'est bon. Et tu cliques sur la colonne, sur le D, T, entraîner. Training. D'accord. Bon, je regarde. Hein. Ouais. Donc ok, sincérité, après... Sincérité, enquête ou courtisan aussi, ça peut le faire. C'est toi qui choisis quelle approche. Ouais, je vais faire courtisan. Ouais, vas-y. Bon, quand il te parle de ça, t'as pas l'impression qu'il te cache plus d'informations que ça. D'autant plus que, hormis le fait qu'il n'a pas parlé du clan du scorpion quand tu as parlé d'un clan qui pouvait avoir un problème avec le clan du lièvre, voilà. Mais en tout cas, ce que tu décèles dans son comportement, ça te dit rien de plus que, effectivement, il n'a pas parlé du clan du scorpion. Peut-être qu'il a un doute ou vis-à-vis du clan du scorpion, en tout cas, enfin, ou une certaine. Comment on dit ? On dit. J'ai perdu les mots. En fait, voilà, il parle pas du clan du scorpion, même si il n'en pense pas moins, en fait. Voilà. Ok. Si vous avez. Alors, le carreau vous dit si vous avez besoin, nous pouvons mettre à disposition des montures pour que vous rejoigniez Shiro Aoi Shoku le plus rapidement possible. Même si, et là il dit ça en regardant Yoko, Yoko, quand le carreau te regarde et te dit, bon, on peut mettre à disposition des montures, mais je suppose que vous avez une monture, vous avez déjà votre propre monture, ce n'est peut-être pas la peine pour vous. Oui. Mais écoutez, voilà, si vous avez d'autres questions. Bien volontiers pour la monture en ce qui me concerne. Pouvons-nous avoir la liste des familles? Oui, je vais vous faire parvenir ça. Vous souhaitez partir quand? Alors, je me tourne vers Akira et Yoko. Quand étant donné, possible de partir. Je suis maintenant. Étant donné le temps de me préparer mes affaires, mais
Étant donné que le voyage est à deux jours de... Je pense qu'on pourrait en partir demain matin. Le Daibyo va sembler assez pressé d'obtenir des résultats. Et là, il est quelle heure? Bah là, vous êtes en début d'après-midi, il doit être ouais. aux alentours de 14h. Alors, sachant que vous allez emprunter une route, alors une route secondaire impériale, mais une route impériale quand même, et les choses sont bien faites, c'est que par décret impérial, d'il y a très très longtemps, il a été installé à peu près toutes les demi-journées de voyage à pied, donc à cheval ça, vous atteindrez ça assez facilement, mais en fait il a été décrété à un moment donné qu'il devait y avoir des auberges à intervalles réguliers afin que tout samouraï qui voyage puisse s'abriter pour la nuit et ne pas dormir dehors. Donc là, grosso modo, si, même si vous partez en milieu d'après-midi avec de bonnes montures, vous pouvez atteindre une auberge. D'accord, ok. En milieu, vraiment pour en début soirée. De soirée, quoi. Ouais. Bon bah très bien alors. Je vais pouvoir partir assez rapidement. Oui, si vous n'avez pas trop de préparatifs et de détails à régler pour gérer votre absence ici. Que nous nous rejoignions d'ici une heure à la porte. Oui. Oui, non, moi j'ai aucune obligation. Bien. Yoko, pour toi c'est bon aussi, dans une heure Oui, je serai dans l'heure, aucun problème. Bien. Plus vite nous sommes partis, plus vite nous sommes revenus. Dans ce cas-là, le carreau vous dit, écoute, si vous décidez de quitter dans une heure, dans ce cas-là, je vous ferai parvenir le document officiel qui vous lie au daimyo. Très bien. Et je vais faire en sorte de faire préparer deux montures qui vous attendront aux écuries de la porte nord. Très bien. Je le salue et je sors. Je fais de même. Je vais récupérer mes deux armes au râtelier où je les avais déposées. Mmh. Et en fait, vous sortez carrément entièrement de la villa, hein, parce que une fois que vous avez récupéré vos armes, on vous conduit à la porte d'entrée. Et donc. Je salue Yoko et Akira très respectueusement et je leur dis à tout à l'heure. Nous aurons. Tout loisir d'échanger, de faire plus ample connaissance sur le trajet du voyage. Donc moi je reste un peu avec Yoko. Et moi je m'éloigne. Toi tu t'éloignes. Préparer ce qui sera nécessaire pour le voyage. Je sais pas ce que... Aksan veut faire, mais en tout cas je récupère mes armes et je vais aller préparer quelques affaires un tout petit peu pour moi et un peu pour mon cheval. En tout cas voilà, de sûr que et moins d'une heure après, je suis à la porte nord. Si Akira-san a besoin de moi pour quelque chose, il faudra qu'il s'exprime. Hein. Non, moi je voulais juste avoir ton ressenti par rapport à cela. Est-ce que tu penses que ce serait dû, étant donné que la forêt a quand même une réputation d'être hantée, est-ce que tu penserais que ce serait plutôt cela justement autre chose alors, qui serait la cause justement de la désertion des paysans. J'hésite, enfin ma première réaction c'est de faire une réflexion sur les fantômes quand je me souviens que c'est un prêtre sorcier et qu'il a certainement une toute autre expérience que moi sur la question. Donc je me retiens de faire une réflexion qui aurait pu peut-être être désagréable.
Et je considère réellement ce qu'il me dit avec sérieux. Mais quand même, je conclue, à mon avis, c'est une bande de brigands. Et est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il pourrait y avoir une saison difficile à venir qui ferait que... On dit qu'elle est hantée, justement, et j'ai senti des mauvais... On peut sentir en effet des éléments très, très nocifs, très, très maléfiques, donc moi je prioriserais justement cette piste. Alors, je sais pas, j'ai interrogé les paysans. Alors, je précise. Je précise juste un truc. Effectivement, par rapport à ce que vient de dire Akira, par rapport à la forêt de Shinomen, c'est vrai qu'elle a une très mauvaise réputation. C'est une forêt qui est très dense. Il n'y a pas de communauté humaine qui s'installe au cœur de la forêt. Et il y a énormément d'histoires, de contes, de légendes qui tournent autour de la forêt et de la présence de fantômes, ce genre de trucs. Oui, c'est... Et ça, vous tous, vous en avez entendu parler. C'est un peu une espèce de forêt où, quand on est petit, quand les parents racontent des histoires, c'est un peu le... Voilà, c'est des histoires qui font peur parce que... voilà, il y a des esprits ou des fantômes ou des créatures... qui pourrait vous attirer dans la forêt et on ne vous reverrait jamais, ou alors vous en sortez, vous êtes fou. Voilà, c'est ce genre de contes et légendes qu'on a pu vous raconter étant enfant. Donc voilà, c'est le Yoko, ce genre d'histoire, effectivement, ça te parle, même si après, voilà, toi tu as l'air de pencher peut-être un peu plus vers la piste des brigands. Eh bien, j'ai vu assez. Histoire désagréable déjà avec les humains, avec les hommes. Donc, ça me paraît pas impossible non plus que ce soit le fait d'une bande de brigands. Maintenant, Akira-san, si tu me dis que ça peut être des esprits, je te crois. Ouais, il faudra vraiment privilégier. Respecte cette ton opinion. Mais je crois que le plus sûr moyen de le savoir est déjà d'aller interroger les paysans et puis ensuite effectivement d'aller faire un tour dans la forêt pour voir de quoi il s'agit. En attendant, il faut se dépêcher. Ouais, il faut en tout cas nous équiper en conséquence. D'accord. Évidemment, j'ai repris mon arme. Oui. De toute façon, Le Daimyo, il nous a donné de l'argent pour ça ou on prend sur nos fonds propres? Alors, ça, c'est un petit détail dont j'ai pas parlé. En fait, normalement, vous n'avez pas à vous occuper des questions d'argent. Normalement, c'est considéré comme étant un peu déshonorant et voilà, c'est pas vous en tant que samouraï. En fait, les questions d'argent, c'est comme faire la lessive et faire la cuisine et faire la vaisselle. C'est pareil, c'est pas digne d'un samouraï. Donc, logique, normalement, officiellement, c'est pas à vous de vous occuper de ça. Même si, moi, petit aparté, moi, quand je maîtrise la L5A, voilà, vous pouvez pas vous promener tout le temps avec un domestique qui va gérer ça à votre place. Donc je pars du principe que oui, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez acheter des trucs et tout ça. Maintenant, le daimyo... C'est-à-dire que quand on arrive dans une auberge en tant que samouraï, c'est pas gratuit. Alors non, c'est pas gratuit, mais normalement, y a tout un système normalement, c'est l'aubergiste doit se débrouiller pour se faire payer par votre clan. Sauf que voilà, en pratique c'est bien gentil, mais en théorie c'est bien gentil, mais en pratique c'est un peu compliqué à gérer. Donc moi je pars du principe que vous avez de l'argent,
vous pouvez aller, vous pouvez acheter un truc, vous pouvez vous payer votre nuit dans une auberge, il n'y a pas de problème. À savoir que, en tant que samouraï, vous avez beaucoup d'argent par rapport au... Donc, vous payez une nuit dans une auberge, ça ne va pas entamer, ça va pas vraiment entamer votre pécule. Donc ça. Non, c'est pas ça qui me faisait peur, c'est juste de savoir comment ça se passe, ouais. Alors, le daimyo, en fait, ne vous paye pas. Il ne vous paye pas, si ce n'est avec des remerciements. Voilà. mais par contre, en contrepartie, si vous accomplissez des tâches avec succès, avec brio, le daimyo aura une plus grande estime de vous et pourra vous confier des trucs de plus en plus importants. Vous allez gagner en statut, vous allez gagner en gloire aussi. Donc c'est et si vous décidez de vous mettre totalement à son service, par contre là il peut vous ouvrir les portes de certains postes qui là par contre vous pourrez avoir de l'argent, ça c'est sûr. Mais en tout cas là pour la mission qu'il vous a confiée, il ne vous a pas donné d'argent du tout. Il n'en a pas été question. Mais bon, ne vous inquiétez pas pour aller passer une nuit dans une auberge, ça va pas vous coûter grand chose. C'est à partir du moment où vous voulez passer une nuit avec une geisha ou ce truc comme là. Là par contre ça commence à. Ou acheter un cheval ou une arme. Ou acheter un cheval ou acheter une arme, là ça commence à vraiment piéter sur vous. Il faudra faire une demande à la famille. S'il vous plaît, envoyez-nous des sous. C'est ça. Bon, en tout cas, du coup, Yoko a ce qu'il faut pour voir à ses besoins. D'accord. En estimant que les autres feront pareil ou... Voilà, sinon elle est habituée à ce genre de choses. Ok. Bon, je suppose que vous vous équipez en conséquence, vous prenez. Petite question pour les deux Bushi, donc pour Yoko et Sayuri. Du coup, vous embarquez vos armures, vous portez vos armures pour faire le voyage, ou vous les laissez ici? Ah oh bah non, moi je l'emporte, ça fera un bon entraînement de mon cheval. Ok. Et Sayuri, toi, sachant que toi, t'as une armure légère. Alors, moi, je porte l'armure légère pour le voyage. Mm-hmm. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. J'avertis mon hôte. Oui, c'est... ma future absence. Mirumoto Kingo. Voilà, je l'informe. De la mission qui vient de nous être confiée. Alors quand tu commences à lui expliquer, si tu rentres dans le détail de la mission... Ah non, je rentre pas dans le d'accord. détail, je lui tu explique lui dis... juste d'accord. que... Parce que il ne veut pas savoir, c'est le daimyo, oui. Quand tu lui dis que le daimyo t'a confié une mission, il ne veut pas en savoir plus, voilà, c'est ton affaire. Lui, ça reste... C'est haute discrétion là-dessus. Voilà. D'accord. Et juste une petite chose que je vais faire avant de me rendre à la porte nord, c'est faire une petite offrande sur l'autel de mes ancêtres. Ouais. Avant de partir, pour les bénir, pour leur dire que même si je vais être loin de l'autel, je ne suis jamais loin d'eux. Et donc, j'appose une offrande. Alors... J'ai une petite certainement question. Certainement un peu de saké. Tes ancêtres, en général, ou tes parents en particulier? Mes ancêtres en général, et surtout mes parents en particulier. Voilà. Et donc, je verse une petite rasade d'un saké dans une petite coupelle devant, et j'allume plusieurs bâtons d'encens, et voilà. Je médite un petit instant. Et justement, je me demande, j'ai une petite question. Vu le passif avec tes parents, t'es dans quel état d'esprit quand tu fais des prières pour eux, comme ça, sachant que tu en rêves assez régulièrement et tu en rêves pas que en bien de alors, tes parents. Donc c'est très partagé. En fait, je suis vraiment
Oui, vraiment tiraillé entre deux sentiments. D'un côté, je leur en veux toujours, parce que mes parents avaient rêvé d'une autre voie pour moi, et donc à chaque fois que je suis dans la voie du sabre, je sais que c'est pas ce qu'ils souhaitaient. Donc j'ai toujours un peu cette colère, cette impression de mal faire ou de ne pas être à ma place. Ah, surtout qu'il te l'avait fait, il t'avait bien fait sentir que de leur vivant que t'étais pas à la hauteur de ce qu'eux attendaient. Oui, mais en même temps, quand je suis dans le maniement des katanas, je me sens vraiment dans mon élément. C'est ce qui me correspond, c'est ce qui est fait pour moi ou que je voilà. Et du coup, d'un autre côté, eh bien, je m'en veux. Puisque ils sont morts tous les deux sans que j'ai pu les revoir, sans que j'ai pu leur exprimer quoi que ce soit. Et donc je ne sais pas si quand ils me visitent bien dans mes rêves, ils sont sincères ou pas, est-ce qu'ils m'en veulent toujours ou pas, et est-ce qu'ils pourront un jour accéder au royaume des défunts, voilà, serein. Et donc c'est un petit peu de ma faute. Donc j'ai toujours ce sentiment de culpabilité où j'ai de la pitié pour eux et je souhaite, même si je leur en veux beaucoup, je leur souhaite quand même de trouver le repos et pour eux-mêmes et pour moi aussi, j'en trouverai quand même mes nuits apaisées. Donc je leur fais régulièrement comme ça des offrandes pour essayer de les calmer, de leur donner satisfaction, de leur montrer que je suis une fille qui leur est toujours dévouée, qui honore leurs souvenirs, qui essaye d'être dans le droit chemin, dans la voie du samouraï, même si c'est pas la voie qu'ils ont choisie pour moi. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc, une fois que j'ai fait cela, eh bien, je me rends à la porte nord. D'accord. Ah, donc si j'ai bien compris, Yoko, toi, tu embarques ton... Tu enfiles ton armure pour faire... pour en profiter. Je sais pas, soit je la mets sur moi pour le voyage, le trajet, soit je l'empaquette sur mon cheval, mais en tout cas je la prends, oui. Alors là, je sais pas. Techniquement, ce qui se fait traditionnellement, c'est que si tu n'es pas en mission pour un supérieur ou un daimyo, ça peut être un peu mal vu que tu te promènes en armure parce que voilà, c'est ça veut dire que ça pourrait être interprété comme étant t'es un petit peu ça fait un peu agressif, ça fait un peu sur le qui-vive, voilà. Par contre, là, tu es officiellement en mission pour le daimyo, donc c'est tout à fait justifié que tu te promènes en armure. Alors, c'est ce que je fais. D'accord. Surtout si ça renforce mon autorité, en plus... Ah bah oui, quand t'es... Je n'hésite pas. Bah là, c'est sûr que quand tu vas arriver à la porte nord en armure avec tes armes et juché sur ton destrier, ça en impose hein, tout de suite. Ça en impose. Est-ce que tu veux prendre quelque chose de plus, quelque chose de particulier en plus ou on va pas détailler, on va pas faire voilà, le gros détail de tout ce que vous emmenez. C'est juste voilà, si tu penses que c'est non, bon, je c'est prends tout ce que j'ai l'habitude de préparer pour ce genre de voyage, l'essentiel. D'accord, ok. Akira, est-ce que tu prends quelque chose de particulier, tu te prépares de... Moi, je prépare mes parchemins et puis sinon les affaires, l'équipement habituel. Des papiers pour faire des origamis, je suppose. Oui, le matériel de, de calligraphie, ainsi que des parchemins vierges, et puis aussi mon petit sabre.
D'accord. Est-ce que tu prends ton, tu t'emmènes ton arc et tes flèches ou... Ouais. Ouais. Ouais aussi, ouais. D'accord. Alors bon, vous avez ce qui, vous avez aussi ce qu'il faut, parce que vous avez, c'est pas la première fois que vous voyagez, vous avez aussi un peu ce qu'il faut, parce que surtout que là, en ce moment il pleut assez régulièrement, donc vous avez, vous pouvez largement emmener des les espèces de chapeaux à large bord. Bah oui, parce que quand il pleut comme ça évite, ça tombe un peu sur les côtés, ce genre de truc. Il y a aussi ce qui se faisait beaucoup, c'était des espèces de capes en en roseau ou en jonc, je sais plus, qui permettent, alors ça ne vous met pas totalement à l'abri de l'eau, mais ça permet de vous, voilà, vous êtes un peu moins mouillé, ça peut le faire aussi. Donc bon, je pars du principe que, comme vous avez dit, vous vous préparez pour un voyage de 2 jours, aucun problème. Et donc il y a un, arrivé à la porte nord, il y a un garde qui est là avec un rouleau de parchemin qu'il remet. Alors il remet pas à l'un d'entre vous en particulier, en fait il le tend, mais en gros c'est voilà, c'est celui qui le prendra. C'est moi, je le prends. D'accord, très bien, tu prends le parchemin. C'est le document officiel du daimyo, comme quoi vous êtes en mission pour lui. Et aussi, le garde est venu, il vous indique deux chevaux qu'il a ramenés des écuries de la garde pour vous les confier. Alors, Des naturellement, poneys, c'est. c'est ça? Ouais, alors on appelle ça des poneys, mais en fait, c'est pas vraiment des poneys. Comme on l'entend en Europe, c'est juste c'est des petits chevaux. Toi, quand tu es juché sur ton cheval, il doit faire au garrot, il doit faire pas loin de 40 cm de plus que quoi. Et ben, oui, parce que toi, ton cheval, c'est vraiment un destrier, c'est vraiment un cheval lourd, hein, c'est vraiment un destrier de guerre. Alors, c'est pas forcé, c'est pas. C'est pas forcément du type percheron ou. C'est quoi? C'est boulonnais aussi, je crois que c'est des gros chevaux. Mais c'est toi, ton cheval, il est assez grand. Comparé au leur. Donc, oui, bah, quand. et quand. Si Sayuri et Akira montent sur leurs chevaux, bah. Ouais, ils font un peu petit à côté de toi. Hein, Dans la tête qui m'arrive au nombril. On passera plus facilement sous les branches Non, peut-être, basses. non, pas autant que ça, mais en fait, toi, tu les dépasses largement d'une tête. Quand vous êtes tous les trois côte à côte sur vos chevaux, tu les dépasses largement d'une tête. Et en bas, dès que je les vois arriver, je leur fais signe et je pars. Je m'efforce de ne pas les regarder de haut. Très bien. Et oh tiens, petite question pour Akira. Parce que la dernière fois que t'es monté à cheval. Ouais, ça s'était mal passé. Bah, disons que j'essaye de contrôler en tout cas. Je suis vraiment un peu. Je suis même un peu. Enfin, j'essaye d'apaiser en tout cas le petit poney là. Et Ouais. puis. Bah, j'essaye de le rassurer pour que ça puisse un peu mieux se passer. D'accord. Bon, de toute façon, J'ai techniquement, pas besoin de faire jet, hein. non, non, non. Si jamais il y avait besoin de maîtriser le cheval, c'est où il y aurait quelque chose d'un peu dangereux, c'est là où je vous donnerais un jet de dé. Mais là, juste pour marcher tranquillement, sauf si Yoko commence à décider que vous allez faire un petit quart d'heure de course à bride abattue. Là, par contre, ça demandera un jet. Mais de toute façon, elle vous devancerait largement. Bah De écoutez. toute façon, j'ai pas Ouais. envie d'être incommodée en mettant en évidence les maladresses à cheval de mon futur. Oui, je pense que ça a été déjà Ça suffisamment serait dommage de humiliant. perdre un élément. Oui. Bah, Oh, j'aurais l'impression de perdre la face, surtout quoi. T'as pas intérêt à tomber en fait. puis ça a dû déjà être suffisamment humiliant pour Akira
la fois où il a fait cette promenade à cheval avec toi et qu'il est tombé de son poney, donc ouais, on va éviter. C'était un grand poney. En tout cas, j'ai compris qu'il est pas à l'aise. Ouais. Je sais même pas s'il avait déjà monté dans sa vie, en fait. Hein. Voilà, je vais mettre en situation où il tombait parce que je pense que je ressentirais de la honte. Bah oui, puis lui aussi, certainement. En tout cas, vous prenez la route. Il y a une légère pluie qui tombe. Alors vous êtes sur une route impériale secondaire qui est quand même entretenue, qui est surveillée aussi, hein. Il y a des patrouilles du. Chaque clan s'occupe de la sécurité sur ses routes. Les routes en plus sont bien faites parce qu'elles sont balisées avec des bornes qui vous indiquent Alors c'est pas des kilomètres, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est des riz. Mais en tout cas voilà, ça vous Adélie. indique. Ouais, ça vous indique au fur et à mesure le chemin que vous faites. Vous croisez pas mal de paysans qui vont dans votre sens ou dans l'autre, des marchands itinérants aussi. À un moment donné dans la journée, avant d'arriver à l'auberge, vous allez même arriver à un endroit où il y a quelques saltimbanques qui font quelques numéros d'acrobatie pour un petit peu pour récolter quelques pièces des passants. Vous allez croiser aussi une patrouille du clan du lièvre qui d'ailleurs va vous demander ce que vous faites et demander vos papiers, vos laissez-passer si vous en avez. Naturellement, le document que le daimyo vous a remis, c'en est un. C'est ça, je le tends et avec un air pas sûr de moi. Le garde qui récupère, il jette un œil, il lit le document, il vous le rend sans demander plus d'explications. Par contre, moi je vais vous en donner une d'explication, c'est que des samouraïs du clan du Lièvre qui se promènent sur les routes du clan du Lièvre, bon, ça peut encore passer. Là, un groupe phénix, dragon, licorne, qui déambule comme ça sur les routes du clan du Lièvre ou de n'importe quel autre clan, ça pourrait passer pour quelque chose de suspect. C'est pour ça que souvent, pour voyager sur les terres d'un clan qui ne vous appartient pas, on va vous demander un laissez-passer. Et ça, c'est le genre de document, vous allez auprès de la magistrature et ils peuvent vous faire le document. Mais en tout cas, voilà, vous auriez pu paraître un peu suspect. Mais avec votre document, il n'y a aucun problème, votre laissez-passer, on vous laisse tranquille. Et bon, je ne vais pas vous embêter sur le voyage, hein. La première nuit, vous allez passer votre nuit dans une auberge qui se trouve sur le bord de la route. Il y a autant des samouraïs que des marchands itinérants qui, eux, ne sont pas samouraïs, qui font partie de la caste des paysans, qui logent ici-là. Naturellement, vous doutez bien que les chambres qui sont réservées aux samouraïs sont d'un standing un peu plus élevé que celles des paysans, naturellement. La nuit va se passer plutôt tranquillement. Je pense que vous allez peut-être en profiter pour faire un peu plus ample connaissance sur qui vous êtes. Je ne sais pas, est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter un élément en plus de ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur son personnage ou des trucs un truc où vous en avez parlé ou Bah, est-ce que justement, vas-y, je voulais juste dire que moi je suis Yoko, elle est assez avare pour l'instant en tout cas. ouais plutôt enfin discrète mais plutôt peut-être taciturne ou c'est juste que non, tu parles que quand t'as un truc intéressant à dire. Ouais, voire même si on s'adresse à moi ou si vraiment que j'ai à dire a besoin d'être dit à ce moment-là pour des raisons pratiques. D'accord.
Et Akira, toi, est-ce que tu parles un peu plus de toi ou non, c'est tu restes de Oui, voilà. bah de toute façon, je pense que voilà, on va se faire juste un repas ensemble à l'auberge. Après, on va pas non plus. Je pense que Yoko, elle connaît déjà assez ma vie. Elle en a déjà eu un bon aperçu, en tout cas par sa famille. Après, connaissant, enfin, Sayuri, moi, je sais juste, voilà, qu'elle. Très peu de choses sur elle finalement. Et voilà, bon, je suis surtout focalisé sur ma mission plutôt D'accord. que d'essayer de rentrer plus dans le détail. D'accord. Et du coup, toi, Sayuri, est-ce que tu... Alors, avant de rebondir sur ce qu'a dit, sur ce que disait Akira, Akira. Kazumi, est-ce que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose entre deux ou pas? Ou alors est-ce que je sais parce que ça a peut-être été évoqué une fois? Non, peut-être pas. Bah, là, ça va être à Akira et Yoko de dire, est-ce que en présence de Sayuri et d'autres personnes, vous reprenez une espèce de distance de samouraï à samouraï, ou est-ce que effectivement, est-ce que Sayuri pourrait remarquer qu'il y a un certain lien entre vous dans la façon de Yoko parler va tout ou faire. comportement? Ouais, vas-y. Yoko, elle va faire que ouais, il y a de la distance parce que. Alors, je suis désolée, Agra, hein, je sais pas s'il est au courant, mais Yoko, elle a pas franchement envie de cette alliance. Elle l'adapte parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Mais en tout cas, pour l'instant, vu que elle le connaît pas vraiment trop. Elle lui témoigne du respect, c'est pas pour autant qu'elle a envie que ça sache, quoi. D'accord. Ok, donc D'accord, pour très bien. l'instant, elle veut pas Bon, forcément voilà. marquer quoi que ce Bon, soit. puis je pense. Peut-être. Sauf si Akira a mis les pieds dans le plat en ayant un Non, bah j'avais comportement autre, hein. précisé Je sais que. pas ce que lui il a envie de faire. Non, mais moi j'avais précisé que voilà, je n'allais pas rentrer dans la discussion, donc. D'accord, et donc tu t'adresses à. Et je restais contre. Ouais. Quand tu t'adresses à Yoko, du coup, tu y mets les formes un peu plus que. Comme si c'était Bah pas disons, parce qu'elle je suis samouraï. plus serviable, évidemment, mais voilà, je veux pas non plus rentrer dans une discussion sur notre futur mariage, quoi. D'accord. Et la manière dont ça a été mis en place par nos familles. D'accord, Je veux pas ouais. parler de ça ce soir, en tout cas. Parce que moi, du coup, devant nos amis, je t'appelle Usawa Akira-san. D'accord, ok. Tu mets un peu plus les formes. Ok, d'accord. Bon après, Akira, tu me disais que tu étais peut-être un peu plus serviable. Après, est-ce que Sayuri, est-ce que tu mettrais ça sur le compte de, voilà, c'est juste dans son tempérament d'être serviable. Bon, ouais, c'est peut-être pas forcé, peut-être pas forcément de trucs flagrants en tout cas pour le moment. Ok, bah écoutez, après une nuit à l'auberge, vous reprenez la route. Le lendemain, vous reprenez la route sous une pluie un peu battante, par contre. Ça s'est un peu dégradé. Vous allez voyager une grande partie de la journée. Vous allez pouvoir refaire une escale dans une auberge aux alentours du midi, afin peut-être de vous restaurer. Et c'est vraiment en soirée. Vous allez voir une borne de pierre sur le bord de la route et une route qui commence à serpenter. Alors, quand je disais que le Shiro Aoishoku se trouvait vraiment en bordure de forêt, voilà, c'est vraiment les abords de la forêt. Il y a c'est-à-dire, alors c'est pas très très dense, mais a priori, le chemin qui a l'air de mener à Shiro Aoishoku. Puisque c'est ce qu'indique la borne, que le château se trouve là-bas, ça a l'air de s'enfoncer dans les bois. Alors, il n'y a rien de. Par rapport à ce que tout à l'heure Akira disait, la forêt hantée et tout ça, les rumeurs, les contes et légendes, voilà, la forêt n'est pas sinistre, lugubre,
c'est voilà, ça, ça bruise de vie. Et donc il y a cette espèce de sentier, enfin c'est relatif, c'est assez grand pour laisser passer un gros chariot, hein, attention. Mais en tout cas voilà, il y a ce chemin qui commence à serpenter dans les bois. C'est pas tout plat, hein, il y a régulièrement vous montez, descendez, c'est un petit peu quelques collines et tout ça. Mais en tout cas tout ça c'est boisé. Mais vous savez que vous êtes vraiment sur les abords de la forêt de Shinomen. Il continue à pleuvoir, la nuit commence un petit peu commence à tomber. Alors vous n'avez croisé personne. Vous n'avez croisé personne. Vous pensez que vous ne devez plus être très loin, puisque suivant la borne, ce qu'elle vous avait indiqué, c'est que vous aviez à peu près presque 2 heures de marche à faire sur ce chemin-là avant d'atteindre le château. On s'était exprimé en distance. En tout cas, vous ne devez plus être très très loin. Quand vous entendez du bruit devant vous, un peu plus loin, il y a l'air d'y avoir de l'agitation. Vous allez pouvoir tous me faire un test de perception pure. Pas de compétences, juste le. Si vous avez la compétence chasse. J'ai pas précisé, si vous avez la compétence chasse, vous pouvez faire avec la compétence chasse. Donc Akira, je sais pas si t'as la. Tu peux vérifier si tu as la compétence chasse, si tu veux le faire avec la compétence, y'a pas de souci. Et on clique sur la colonne T. Bon. C'est quoi la colonne T? Ça veut dire. Bout, à droite, vers la droite des cases de compétences. Tu as N, T et S. Toi, les compétences. Voilà, c'est ça. T'as pas la compétence chasse, Yoko? Alors je sais pas, j'ai tout. Ah bah si, je l'avais pu. Vas-y, tu peux faire ton test de chasse. Et Akira, toi, t'as pas la compétence chasse, je pense pas. Hein. Ça m'étonnerait. Sayuri et Yoko, les bruits que vous entendez devant, vous identifiez tout de suite ce que c'est. Des grognements. Il vous semble avoir entendu aussi des gémissements de douleur. Et les grognements, il y en a plusieurs. Là, comme ça, juste à distance, vous pensez qu'il doit y en avoir au moins 5 ou 6. Et ça. En fait, en continuant le chemin, là, vous allez passer au-dessus d'une petite butte. Et ça a l'air de provenir de derrière. Pour l'instant, vous entendez le bruit, mais vous n'avez pas de visuel sur ce qui émet ces grognements-là. Et donc, il pleut, hein, sans discontinuer. Qu'est-ce que vous faites? On reconnaît pas le genre de bête qui pousse ces grognements? Alors, pour vous, ça a pas l'air d'être aussi. Enfin, ça a pas l'air. Ça semble pas être des ours. Peut-être des loups. Et les gémissements de douleur, c'est des gémissements animaux ou humains? Non, il vous semble que c'est. Il vous semble avoir entendu un gémissement. Peut-être quelqu'un. Peut-être vaguement au secours, mais vous n'êtes vraiment pas sûr. Au milieu des grognements. Ah bah du coup. Moi, je lance mon cheval au galop, aller franco sur la scène, avec la lance sortie, tout ça, tu vois.
Très bien. Akira et Sayuri, vous faites quoi? Vous voyez donc Yoko qui démarre, qui lance son cheval au galop. Alors c'est impressionnant parce que un cheval comme ça avec quelqu'un en armure et à la lance qui vous foncerait dessus, ça aurait de quoi effrayer. Là, en plus, vous sentez les pas lourds, les sabots lourds claquer sur le chemin et tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je. Donc, tu as dit. Est-ce qu'on localise un peu plus En fait, précisément? c'est devant. C'est si tu penses que c'est derrière la butte, le chemin là, en fait, le sentier monté sur une butte et descend derrière. Ça a l'air de provenir de derrière. Ah ouais, je vais m'approcher pour voir. Voilà. Pour D'accord. voir un Qui peu plus. va pas au galop comme. Bah, j'y vais rapidement. Après, D'accord. je maîtrise pas. D'accord. Et Akira, tu fais quoi toi? Ah, je sais pas si Akira il est AFK ou pas. Oui, donc en fait je vais en haut de la butte, à un Ouais. pas contrôlé, Oui, c'est enfin un vrai. pas, un rythme, on va dire un trot, quoi, tout simplement, pas un galop forcément, mais un trot. D'accord, ça marche. Donc toi tu vas arriver après tout le monde. Alors, Yoko, toi tu arrives en haut de la butte, tu vois que un peu plus bas, il y a l'air d'y avoir un chariot qui est arrêté. Tu vois plusieurs corps au sol, humains. Et tu vois au moins deux personnes qui sont juchées sur un chariot en train d'essayer de repousser des loups avec une fourche. Enfin, avec des fourches. Les loups, tu pensais en avoir entendu peut-être 5-6. En fait, ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Il y en a plus d'une dizaine. Presque, il y en a une douzaine. Et qui sont autour du chariot, qui essayent d'attraper, de choper un peu les gens qui sont perchés dessus. Et surtout quand tu commences. Donc tu m'as dit, toi tu t'arrêtes. Quand tu vois ça, tu continues à charger ou tu t'arrêtes pour attendre les Oh, autres? j'y vais, ouais, et puis je m'arrange pour que mon cheval en piétine un max au passage. Alors, toi tu descends au galop avec la lance prêt à foncer dans le tas. Et Les loups. j'espère bien qu'ils vont se barrer du coup sous le fait que j'en piétine quelques-uns, parce que bon, normalement ils sont pas suicidaires les loups. Hein. Ben ça, on va voir ça après. Du coup, le bruit que fait ton cheval et tout ça, il y a une moitié des loups qui tournent la tête dans ta direction. Et ils se mettent eux aussi à courir vers toi, à charger. Toi, Sayuri, donc tu vois. Ouais, une meute de loups qui a l'air de s'attaquer à un chariot, des personnes qui sont au sol, blessées, peut-être mortes, et tu vois une demi-douzaine de loups qui sont en train de foncer dans votre direction. Certains, tu vois clairement qu'il y en a certains qui sont en train de foncer sur Yoko, mais d'autres qui sont en train de contourner pour remonter vers vous. Est-ce que je peux faire un jet de chasse? Alors. Dis-moi juste ton Bah, en intention. fait, c'est savoir quelle est la meilleure approche, en fait. C'est D'accord. Bah vas-y, voilà, par fais-moi rapport à ce que ton. je connais de cet animal. Tu fais ton jet de chasse. D'accord. Et Akira, toi tu fais quoi? Toi tu es arrivé tout en haut de la butte. Moi, je peux communiquer avec les loups. Alors ça c'est en fait ça c'est un sorti c'est un sort particulier. Et je sais pas si tu l'as, je crois pas. Non, mais j'ai communion, non, sensation, non, invocation, non. Non, 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 cela, après, c'est cela. des. Non, ça, non, le sort pour communiquer avec les animaux, c'est un sort très particulier. Ça, tu l'as pas. Du coup, Sayuri et Akira. Vous voyez donc il y a quelques loups qui sont en train de remonter la pente, qui ont complètement ignoré. Il y a trois loups qui ont complètement ignoré Yoko, puisqu'il y a déjà trois loups qui sont en train de se jeter dessus.
Et trois loups qui sont en train, donc qui remontent la pente dans l'autre direction. Tu me fais, t'as fait ton test? T'as fait 8? Ouais. Oui, bon, bah, c'est une meute de loups qui ils ont peut-être faim. Voilà. Et qui sont en train de vous foncer dessus. Je vais juste demander à Sayuri et à Kira de me faire un test d'équitation. Parce que des loups qui grognent, qui sont en train de vous foncer dessus. Ah, bah, de toute façon, moi, les chevaux, les chevaux risquent de paniquer. Ah, moi, de toute façon, j'allais descendre. Parce ah, toi, que, tu descends. Bah, je sais pas, franchement, me battre à cheval, donc je vais descendre, ce sera mieux. Ok, toi tu descends et bah moi, en fait, je viens d'arriver, quoi. Je découvre la scène. Et ben, tu me fais ton test un test d'équitation, s'il te plaît. Parce que ton voilà, c'est bon. Ah, là, j'aurais dû cliquer sur quoi non, sur T. Ou... Sur t'as des points dans équitation ou non. Quoi non. C'est N. Donc c'est N. Voilà. Okay. Donc si tu peux m'en faire ton oh bah c'est voilà. C'est quand même c'est bien quand même. Ouais, et ben c'est voilà, c'est tu peut-être même que tu t'épates toi-même, ton cheval commençait à paniquer, tu réussis à le maintenir à ne pas être désarçonné, déjà c'est bien, et surtout à le maintenir à peu près correctement. Et il y a un loup qui est en train de par contre il y a un loup qui est en train de te foncer dessus. Et oui, vas-y. Tu voulais dire un truc? Ouais, est-ce que les gens qui étaient sur le chariot là, ils sont en sécurité ou maintenant? Non. Ou il y non. a toujours des loups autour d'eux? Non, non, il y a toujours des loups autour d'eux, il y en a 6 qui sont encore autour d'eux et qui essayent de grimper, de sauter sur le chariot ou alors d'attraper leurs bras quand ils essaient de. Quand les hommes donnent des coups de fourche, ils essaient de les choper, de leur choper les avant-bras pour les faire tomber. En tout cas. Moi je pars à cheval, en tout cas je continue à cheval et j'essaye de prendre un autre accès pour essayer d'accéder directement vers le chariot. Ok, alors je vais demander juste un test d'équitation à Yoko, sachant que toi, comme tu es comme tu as l'habitude, tu as un bonus, tu fais ton test d'équitation et tu rajouteras plus 6. C'est Alors déjà, c'est où la question? C'est dans les compétences? Dans les compétences, ouais. The riding, c'est quoi? C'est ça, c'est ça. Et tu fais ça avec la. Ah oui, c'est vrai. En plus, tu l'as t'as en anglais. Attends, je vais te dire dans quelle colonne il est. Hop. Équitation, c'est dans les compétences de Bugay. Bah, si tu veux, je suis dessus. Si tu veux, je te fais le. Ouais, je viens. Je te lance le. Mais faut que tu le réussisses. Alors. Ouais, c'est bien. Plus 6, ça fait 60. Je peux t'assurer qu'un score comme ça, c'est. Ton cheval n'a même pas bronché. Alors, la 60, c'est un très 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 gros score. Il a même pas bronché. Voilà, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec ton cheval. Voilà. Et par contre, alors ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là pour ce soir. Toi, t'es en train, t'as maîtrisé ton cheval. Il a même pas bronché. Voilà. Comme si de rien n'était. T'es en train de. Tu me disais que t'étais en train de. Tu chargeais sur les loups. Akira, tu es en train d'essayer de passer de contourner le truc, sauf qu'il y a un loup qui est en train de qui suit ta trajectoire. Et Sayuri, toi tu as deux loups qui sont en train de qui vont t'attaquer, et sauf que bah ils sont pas bêtes. En fait, ils sont en train de s'écarter pour te prendre en tenaille. Voilà. Donc si ça vous va, je propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir et on reprendra sur l'attaque des loups lors de la prochaine séance. Parce que il est déjà, je viens de voir l'heure qu'il était. Ah bah ça passe. Ouais.